Chaque jour, des jeunes gens semblables aux personnages de ce film arrivent dans les villes d'Afrique. Ils ont abandonné l'école ou le champ familial pour essayer d'entrer dans le monde moderne. Ils ne savent rien faire et tout faire. Ils sont l'une des maladies des nouvelles villes africaines, la jeunesse sans emploi. Cette jeunesse, coincée entre la tradition et le machinisme, entre l'islam et l'alcool, n'a pas renoncé à ses croyances, mais se voue aux idoles modernes de la boxe et du cinéma. Pendant 6 mois, j'ai suivi un petit groupe de jeunes immigrés nigériens à Trècheville, faubourg d'Abidjan. Je leur ai proposé de faire un film où ils joueraient leur propre rôle, où ils auraient le droit de tout faire et de tout dire. C'est ainsi que nous avons improvisé ce film.